Alors, bonjour, c'est un auteur. Alors, je vais baisser. J'ai fait on va dire un centre de table. C'est une première pour moi, j'en ai jamais fait. J'ai dit cette année, je me lance. Alors, c'est tout de la récup, c'est tout ce que j'avais, tout ce que j'ai acheté, c'est pas de la récup. C'est tout ce que j'avais chez moi. Alors voilà, j'ai superposé deux cartons que j'ai coupés en rond, je les ai collés, je les ai recouverts de tapis de neige, je ne sais pas comment on appelle ça. J'ai mis un petit fond, ça devait être un truc qui vient d'une pizza, je pense, que j'ai lavé, que j'ai nettoyé bien sûr. Alors tout ce que j'ai acheté, c'est, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est de la mousse, on va dire, chez Action, je l'ai acheté. Je sais pas. Finesse nature, je sais pas. Déco mousse. Ouais, ça doit être ça. Donc, j'ai mis un fond que j'ai collé à la glue en vaporisateur. La colle qui vient de chez Action. Hein. Et peut-y aller, ça tient bien. Hein. Voilà. Et au-dessus, bon ben c'est tout de la récupération. Ça vient d'un pot pourri. Ça, c'est des. Ça faisait partie des plantes qu'on m'offrait quand à Noël, tout ça. Ça vient d'un pot pourri aussi. Ça, c'est des cadeaux qu'on accroche au sapin. Ça, la grande pomme de pin, elle vient de Savoie. Elle vient de chez mon fils quand il travaillait là-bas. Les bouts de bois, c'est pareil, c'est des écorces d'arbres. Là, c'est une petite boule que j'ai récupérée aussi d'une décoration de plantes, tout ça. Ça, c'est pareil, sûrement, ça venait d'une décoration. Ça, c'est pareil. Les pommes de pin viennent de Savoie aussi. Là, ça fait une branche avec des petites pousses et une petite pomme de pin. Petite pomme de pin aussi. Voilà. Alors j'ai collé tout ça. Ça, c'est un sapin que j'avais. Hein, là, pareil. Là, c'est un sujet que j'avais aussi qui faisait partie du village de Noël qu'on faisait. Voilà. Et après, ben, j'ai mis des petites boules de polystyrène. J'ai revaporisé avec de la colle pour qu'elles tiennent un peu. Mais bon, là, ça n'a pas l'air de. Bon, on verra. Et puis, pour faire la neige, j'ai mis du gesso. Bon, celui-là était déjà blanc, celui-là aussi. Et bon, il y a la mousse, tout ça. Tout ça, j'ai mis du gesso. Voilà, c'est une première pour moi. C'est la première fois que je fais ça. Voilà. J'avais plus qu'à vaporiser de paillettes pour que ça s'attille. Hein. Voilà. Il faudrait que je trouve un. Je dois avoir ça quelque part, joyeuse fête ou voilà. Il me plaît bien. Pour une première, ben je suis contente. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça me plaît bien. Voilà. Je vous fais des gros bisous, à la prochaine. Bye. Bonjour. Alors, ben voilà mon petit centre de table terminé. Alors par rapport à la première vidéo, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas les petites boules et j'ai rajouté des paillettes, mais sur la vidéo on ne le verra pas. Voilà mon petit centre de table terminé et j'ai rajouté des paillettes, de la laque. Je crois que c'est de la laque à paillettes. Voilà, on ne le voit pas trop sur la vidéo, que ça scintille. Voilà, je suis contente de moi. Avec sa petite lumière. Ah, j'ai oublié une chose, je reviens. Voilà, j'avais oublié de mettre de la peinture pailletée sur mon petit bois. Ma petite étoile en bois. Je sais pas si vous allez bien voir. Oh, j'ai un peu débordé, je vais enlever ça. Voilà, ça fait un peu plus joli. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais je pense. Hein.
Voilà. Bon, ben, j'ai plus qu'à mettre mon papier transparent. Et il sera prêt pour offrir. Voilà. Passez une bonne journée.